Donc ils attendent que le document finisse de déposer et parti. D'après l'ambassadeur Kouré Kabaka. Nous on demande seulement à ce qu'on ne gêne pas la circulation. C'est ce que nous-mêmes nous faisons. Mais lui, ils sont pas élevés le courrier à l'intérieur. Mais qu'en est-il? Ils ont reçu le courrier, c'est comment? On est libre.
depuis ce matin, hein, les opposants sont devant la CEI, ou du moins le PDS est devant la CEI pour demander à cette institution de remettre le nom de Laurent Gbagbo qui a été enlevé sur la liste, sur le listing électoral. Voilà, donc ils sont venus pour revendiquer ça. Et une délégation de 6 personnes a été reçue, est en train d'être reçue par la CEI actuellement. Donc voilà, la police demande à ce que les manifestants évacuent les lieux et enlèvent les pancartes. Voilà. Donc il y a une discussion actuellement très chaude entre la police et la haute direction du FPI dirigée par M. Colin Boubacar et voilà. Et M. Georges Ognien. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, votre média Event News TV, toujours au cœur de l'info, au cœur de tous les événements et à Abidjan. Et devant la CEI pour vous faire vivre en direct tous ces événements. Voilà, Kylian Oula pour Event News TV depuis Abidjan. Partagez au maximum cette direct pour faire vivre au monde entier ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Partagez au maximum. Voilà, on les voit hein, qui apportent des bombes lacrymogènes pour disperser la foule. Voilà. Nous attendons la délégation qui est entrée dans le siège de la CEI pour. Je suis avec je suis avec le vice-président de premier vice-président de l'UNG et vice-président aussi de EDS, M. Bowie. Voilà, qu'est-ce qui justifie votre présence ici ce matin? Ben, nous sommes venus ce matin en grand nombre, hein, le peuple de Côte d'Ivoire, pour déposer déjà donc une requête auprès de la CEI. Relativement au retrait du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Donc la délégation est conduite donc, par le professeur Georges Amaonien, président de l'EDS, et par l'ensemble des cadres du Front populaire ivoirien. Nous sommes venus donc ce matin, y compris les cadres de l'UNG que je représente. Une foule de jeunes composée de tous les militants pro-Gbagbo et de beaucoup d'Ivoiriens, soucieux donc d'une élection transparente, juste, équitable et inclusive. Nous sommes donc venus pour réclamer auprès des autorités de la CEI, de réintégrer donc le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, car il en a droit.
Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Nous serons là jusqu'à ce que nous ayons une suite favorable avant de quitter ici. Une bonne partie de notre délégation est actuellement en discussion donc avec les autorités de la CEI. Voilà un peu ce qui nous a amené ce matin. Et nous sommes déterminés, nous voulons que la justice soit faite, nous voulons que les Ivoiriens soient traités de la même façon. Nous n'accepterons pas une élection volée, nous n'accepterons pas un pays où il y a une domination clanique. Nous voulons une Côte d'Ivoire de tous les Ivoiriens, de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Et cela passe nécessairement par l'inclusion, n'est-ce pas, la réintégration du président Gbagbo sur la liste électorale et de tous les autres Ivoiriens qui en ont droit. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Dans la paix, dans la discipline, dans la cohésion, nous ne faisons pas des bagarres, nous ne provoquons personne. Nous réclamons la démocratie, la justice pour Laurent Gbagbo, le retour de Laurent Gbagbo, sa réintégration sur la liste électorale, sa participation effective aux élections. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Nous sommes convaincus que nous allons obtenir ça. Ne serait-ce que par la voie démocratique, par, n'est-ce pas, la réclamation avec conviction, avec détermination, donc de ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Merci beaucoup, monsieur. Yeah.
ça c'est modèle. Là, c'est un modèle. Ils nous disent qu'on n'est pas encore en campagne. Est-ce qu'on n'est pas encore en campagne? On est en campagne. Est-ce qu'on n'est pas en campagne? Chantez-nous en fait.
Dans le biais de la police. Le direct et puis le prendre voilà à tout moment. On veut du bruit quand même du président Bado ce matin. Le drama de la salle à partir. En tout cas, visiblement, il y a une cargaison de gendarmes qui est arrivée.
l'escadron pardon, de gendarmes qui est arrivé. Gendarmerie plus CRS plus GEMI face aux manifestants de EDS. Nous sommes à Abidjan, devant le siège de la CEI. Voilà. Voilà, c'est un face à face entre les manifestants et la gendarmerie, la police, les CRS en fait. Voilà. J'espère que on va pas craindre le pire. Hein. Voilà. Mama, go, go.